Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens voir avec une petite vidéo de mes achats. Je suis allée chez Dollarama et je me suis pris deux vernis transparents de la marque Wet n Wild. Je vais les utiliser pour me faire des nouveaux vernis LED Light. Si vous ne savez pas c'est quoi les vernis LED Light, je vais vous mettre le lien d'une vidéo que j'ai faite. Il y en avait juste deux, j'en aurais pris plus, mais il en restait que deux. Ensuite, je suis allée chez Uniprix et j'étais super contente d'aller Clean Color. Faut que je me rende sur la rue Sherbrooke dans un magasin à 1$. Il n'y en a pas près de chez moi. Mais là, chez Uniprix, j'en ai trouvé un petit présentoir. Il n'y en a pas autant qu'au magasin sur Sherbrooke, mais quand même, je ne vais pas me plaindre. Je me suis pris un soin au calcium, qui est le numéro 3. Ensuite, je me suis pris ce superbe bleu nuit. Il y a des beaux reflets dedans. Il s'appelle Cobalt numéro 9. Ensuite, je me suis pris un bleu, encore. Ah, la bouteille est sale. J'avais pas vu. C'est pas grave. Il s'appelle Blue Pearl numéro 11. Super beau bleu, je l'adore. Et ensuite, je me suis pris un tout petit, je peux même pas dire que c'est un rose, non. C'est pas vraiment un rose, c'est... Je sais pas comment décrire cette couleur-là. Il y a du rose dedans, ça c'est certain. Il s'appelle Sandstone, numéro 42. Oui, il y a du rose dedans, mais il est doré un petit peu aussi. Bon. Ensuite de ça... J'ai beaucoup aimé mon nouveau top coat de la marque New York Color. Donc, à ce prix-là, j'en ai profité. Avant qu'il on sait jamais, des fois on aime un produit, puis après ça, il est plus disponible. J'en ai profité, j'en ai acheté trois. Mais il y en a un qui n'est pas pour moi, il y en a un que j'envoie à mon amie Aurélia. Ensuite, je me suis acheté chez Walmart un petit vernis de la marque Pure Ice. C'est le Home Run. C'est un petit vert pâle. J'ai presque pas de vert. Puis celui-là, je le trouvais super joli. Et en dernier, je me suis trouvé, oui mesdames, je me suis trouvé un color foil de Sally Hansen. Je suis allée chez Target. J'y vais pratiquement jamais, ce magasin-là. C'est pas près de chez moi. Et je l'ai trouvé en liquidation à 4,89 au lieu de 6,99. Mais il y en avait presque plus. Il n'y avait pas de toutes les couleurs. Puis il restait une ou deux bouteilles de certaines couleurs. Les autres couleurs qui restaient, je les avais déjà. C'est un violet et je me souviens pas le nom. Je vais vous les écrire dans le bas de l'écran, les deux autres que j'ai. Mais ça reste dans le violet ou dans le bleu. J'ai pas pris de rose, j'ai pas pris de doré ni de argent parce que j'en ai dans d'autres sortes. Des vernis métalliques de ces couleurs-là, j'en ai dans d'autres sortes, donc je voyais pas l'intérêt de payer pour des vernis que j'avais similaires. Donc, le vert, je l'ai pas pris parce que j'avais pas envie de le prendre à ce moment-là. J'aurais peut-être dû. Tant pis. Donc, c'est mes petits achats. Et moi, je vais vous dire bye-bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.